Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va? On a une personne, vous voyez ici, qui souhaite prendre un accord avec vous. Une personne, vous voyez, qui a totalement conscience du fait que il ou elle souhaite avancer dans la vie à vos côtés, qu'il faudra faire des compromis. Qu'il faudra en réalité, tu vois, comme mettre un peu d'eau dans son vin. Et on a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui a pris le temps de réfléchir. Une personne qui a pris le temps de peser le pour et le contre. Et une personne qui se dit, bon, allez. Je crois que là, j'ai les idées claires. Je sais en réalité, tu vois ce que je veux et je comprends peu à peu ce que tu attends de moi et je crois que c'est le moment, tu vois, pour qu'on puisse en parler. On a une personne, vous voyez, qui a cette sensation, cette impression en réalité, vous voyez, comme de savoir ce que vous attendez. Je sais ce que tu attends. Je sais ce que tu veux. Je sais où tu veux aller et je sais ce que tu as envie de construire. On a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui avait besoin de faire le point. J'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de savoir, tu vois, où j'en étais, ce que je voulais avant de faire des pas en avant vers toi. Et on a quelqu'un, en réalité, vous voyez, qui plus le temps passe, plus cette personne réalise, en réalité, que c'est vrai, j'ai beaucoup douté de toi. C'est vrai, tu vois, je ne me suis jamais totalement dit en réalité que tu pouvais être une personne honnête et sincère, puisque j'ai toujours été entourée de personnes qui ont pu m'approcher, qui ont essayé, tu vois, comme de me faire croire pas mal de choses, mais uniquement pour ce que je pouvais leur apporter. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai pu me protéger, que j'ai pu m'empêcher, que j'ai pu t'empêcher même de rentrer dans ma vie. J'ai tellement l'habitude, tu vois, comme de croiser, de rencontrer des personnes dans la jalousie, des personnes remplies de médisance, des personnes qui te font de grands sourires devant et puis la grimace par derrière, que j'ai commencé, tu vois, comme à mettre un peu tout le monde dans le même sac. J'ai commencé à me dire, en réalité, tu vois, bon, écoute, c'est une personne que je ne connais pas. Je ne connais pas les intentions, ni tu vois, ce que cette personne, elle veut de moi. Donc du coup, ben, on a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui s'est empêchée de faire pas mal de choses avec vous. Je me suis empêchée, tu vois, comme de te faire vraiment des invitations, de passer des moments de fou avec toi. Tu sais, c'est la personne qui, d'un côté, j'ai envie de te connaître, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, mais de l'autre côté, attends pas trop quand même, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, ce qui peut se passer dans ta tête. Vous avez fait, vous voyez, comme la rencontre, la connaissance d'une personne très méfiante et une personne, en réalité, vous voyez, qui réalise que bah, du début à la fin, tu n'as pas laissé transparaître une seule fois ton envie, j'ai envie de dire, peut-être d'être là par intérêt. J'ai pris énormément, tu vois, comme de temps pour construire, pour, tu vois, comme obtenir, avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et je me suis promis, en réalité, tu vois, comme de ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ma vie de peur de voir tout s'effondrer. On a une personne, vous voyez, qui a passé la plupart de son temps seule. La personne qui les étapes les plus compliquées de ma vie, en réalité, j'ai dû les traverser seule et pourtant j'étais énormément entourée. On a une personne qui a appris à fonctionner seule. Une personne qui a appris à vivre seule. Une personne qui a appris, vous voyez, comme à regarder au-delà des apparences, mais une personne qui a pu tomber, tu vois, comme très rapidement dans le jugement. Et aujourd'hui, c'est une personne, tu vois, qui regrette. Parce qu'on a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui,
depuis le temps que vous vous connaissez, une personne qui n'a jamais vraiment su mettre de mots sur votre relation. C'est j'ai fait la connaissance d'une personne. C'est vrai, je peux passer du temps avec un tel, mais en réalité, voilà, on passe juste du temps. Mais en vrai, tous ces moments que je passe avec toi peuvent être très agréables. Tout ce qu'on a pu partager, tu vois, jusqu'à maintenant, ben, ça me permet de réaliser que ben, peut-être j'ai encore la possibilité de changer ma vie sentimentale. Peut-être que toutes les personnes, en réalité, ne sont pas forcément là pour la même chose, pour le même but. Donc, on a quelqu'un qui s'engage aujourd'hui, vous voyez, auprès de sa propre personne en se disant, tu sais quoi? J'ai commencé par changer mon comportement, ou en tout cas ma façon d'agir, de réagir avec toi, histoire de voir si ça pourrait pas me permettre d'officialiser notre relation, de faire quelques pas en avant en réalité pour que j'arrête de me faire du souci. Parce que c'est vrai que fonctionner seul, ben ça le fait. On finit par s'y habituer. Mais je réalise aussi, tu vois, que vivre aux côtés d'une personne ou que partager, tu vois, des moments à deux, ben, je crois que c'est le truc qui me manquait pour que je puisse totalement me dire c'est bon. J'ai réussi. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce dont je rêvais. On a une personne, vous voyez, qui arrive seule à maîtriser ses peurs, à contrôler ses émotions, mais surtout, c'est une personne, vous voyez, qui accepte hein, sa part de responsabilité dans la non-évolution de votre relation. On a quelqu'un, vous voyez, qui, non, engagé auprès d'une personne, c'est sûr, c'est perdre, tu vois. Je vais peut-être perdre du temps, je vais perdre de l'argent. Imagine, on se marie et puis finalement on doit divorcer. Imagine, on fait des enfants, mais après on est censé se séparer. Tu sais, c'est comme la personne en réalité qui a toujours eu le scénario, on va dire, le plus dangereux entre guillemets, mais pour elle. Tu vois? Une personne qui avait tout simplement peur de revivre hein, son passé, les événements, tu vois, les plus marquants de sa vie. Et quelqu'un, vous voyez, qui, à force de vous fréquenter, à force de passer du temps avec vous, à force hein, de chercher, de creuser, histoire de voir qui vous étiez réellement, une personne qui réalise que, écoute, moi, j'étais tout simplement dans les préjugés, j'ai jamais essayé vraiment, tu vois, comme de me laisser aller à la relation. Et ce qui est intéressant, c'est que ton comportement, il a pas changé. Du début à la fin, tu as accepté ou... Oui. T'as accepté, tu vois, le côté méfiant de ma personnalité. T'as accepté, en réalité, tu vois, comme de me laisser m'éloigner, de me laisser venir. T'es toujours resté, tu vois, comme très cordial. T'es toujours resté ben, la même ou le même, tu vois, tout simplement. T'es resté la même personne du début à la fin. Et je crois que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait, en réalité, vous voyez, que c'est une personne qui se projette de plus en plus. Et une personne, vous voyez, qui va tout faire en réalité pour vous le dire, en tout cas tout simplement pour que vous puissiez le comprendre, puisque j'ai l'impression de savoir ce que tu veux. Et je sais aussi, en réalité, tu vois, comment on pourrait le mettre en place, ou en tout cas, ce qui pourrait te permettre toi aussi d'avoir ce que tu désires, puisque personnellement, j'ai déjà l'impression d'avoir trouvé chaussure à mon pied. C'est vraiment ça. On a une personne qui fera le pas, on a une personne qui prendra le temps de t'expliquer les choses, alors peut-être pas avec les mêmes mots, mais une personne qui finit par comprendre en réalité ce qui fait que jusqu'à maintenant, elle n'a pas su construire ce qu'elle voulait vraiment. Et ce n'était pas un manque d'opportunité. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.